amis chômeurs présents dans la salle, bienvenue. Fabrizio Rangione. On va pas se raconter d'histoire, on se connaît depuis longtemps. C'est énorme comme défaut, ça. T'es un acteur, un humoriste, un scénariste, un producteur. Hein. T'es devenu un acteur très connu, de par ta collaboration avec les Dardenne, dont le premier dont on va parler, forcément, qui a été un coup de semonce absolument incroyable, qui a changé ta vie, qui est Rosetta. Rien te prédestinait à jouer dans un film des frères Dardenne. C'est-à-dire que toi, ta vocation, c'est la comédie. Oui, oui, t'as raison. J'étais vraiment porté pour faire le comique. Ouais, ouais, je voulais absolument faire le comique, raconter des histoires et faire rire les gens. Ouais. En fait, il y a vraiment un truc qui s'est passé autour, qui s'est opéré autour de Rosetta. Et même si ça a été une grande chance, et j'ai l'impression que ça t'a amené quand même à te positionner et à te construire autour de ça. Bien sûr. Tout ce que je suis aujourd'hui comme comédien, ça s'est construit sur base de Rosetta. Peut-être que ça le ferait chier, son fils. Ou peut-être qu'il te reprendra comme vendeuse, il a 12 baraques dans la ville. Bingo, s'il te plaît. À l'époque où j'ai connu les frères, moi je jouais mon one-man show, mon premier spectacle dans un café-théâtre. Mon désir de faire rire les gens était en train de se former. Et donc j'ai été engagé pour jouer Rosetta, qui n'était pas du tout une comédie. Et ça m'a procuré, si tu veux, des courts-circuits dans la tête. J'imagine qu'il y a comme une espèce de hiatus, il y a quelque chose qui a été trop vite. Moi, j'avais pas vu le film quand il y a eu Rosetta. Donc je l'ai découvert à Cannes devant tout le monde, ce qui a été un trauma. Et donc, si tu veux, la scène où je fais mon poirier devant Rosetta, et c'est le seul moment où elle se marre, parce que moi, j'avais préparé pour bien la faire. Sauf qu'on l'a faite, on l'a faite, on refait quand avec les frères, on refait. Et à un moment, j'en pouvais plus, j'avais mal à la tête et tout. J'arrivais plus à mettre la tête sur le sol pour faire un poirier. Je devais faire poirier et puis faire un salto. Donc je découvre la scène à Cannes. Et il y a une prise où j'avais tellement mal que je me suis relevé et j'ai dit, je recommence. Mais j'avais pas de, je disais pas ça dans la scène à Milly, je disais ça aux frères en fait. Ah ben, ils ont gardé ce moment où je dis, je recommence. Et dans la salle à Cannes, tout le monde s'est marré. Et moi, comme j'étais convaincu de faire un drame, j'ai fondu dans mon fauteuil en disant j'ai tout raté, quoi. J'étais convaincu d'avoir tout raté. Et j'ai regardé les frères, ils disaient rien, je voyais qu'ils regardaient. Moi, je fondais dans mon fauteuil. Bon, il y a forcément les films des frères Dardenne, il y a certains films qu'on a vus par chez nous, mais il y a aussi toute ta carrière en Italie, parce que depuis quelques années, maintenant quelques décennies, tu mènes de front une carrière en Italie, on peut le dire. Et che cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa? Deve salvare la mia isola. Lei ha comprato un'isola? No, l'ho fatta. Les Dardenne ont tout de suite eu un impact assez fort dans le monde du cinéma en Italie, qui fait que moi, quand ils ont vu mon nom italien, on m'a tout de suite proposé des choses là-bas, quoi. À la sincérité. À la sincérité. À la sincérité. Le deuxième film de la Comencini en Italie, c'est grâce aux Dardenne, comme d'ailleurs un peu tout ce que j'ai fait encore aujourd'hui en Italie. Parce que moi, je représente, si tu veux, en Italie, les Dardenne aussi, tu vois. C'est incroyable, entre parenthèses. C'est que quand je me retrouve sur un tournage en Italie, quasi tous les techniciens ont vu tous les films des frères. Et ils me posent des questions pendant tout le tournage sur comment tournent les frères, etc., etc., tu vois. On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours, parce qu'on la soupçonnerait d'être quoi? D'être homosexuelle. Si on fait rien, ça va gangréner. 25 ans après Rosetta, tu fais un film... Personnellement, j'aime beaucoup, qui est Amal, de Jawad Ralib. Le film, c'est l'histoire de Amal, qui est une professeure dans un collège de Bruxelles et qui se confronte à l'intégrisme religieux, à l'antrisme, en fait, à l'antrisme islamiste. Tout à fait. Et toi, tu joues l'antagoniste, tu joues un converti qui pervertit, en fait, la laïcité, le vivre ensemble, en fait. Tu sais que je vois plus Mounia, mes cours coraniques. Je voudrais lui dire de revenir. Ce serait mieux pour vous. Ça ferait taire les ragots. J'aimerais savoir comment tu as préparé ce rôle. Parce que là, tu prends ta responsabilité d'acteur. J'ai beaucoup préparé à mal avec mon coach. J'apprends sur base d'une méthode américaine. Ça fait un peu genre... Quoi, la méthode Meissner. Oui, j'imagine. Chaque fois que je fais un film, je prépare beaucoup sur base de cette méthode. Mais alors, ce que te dit Meissner, en fait, il faut préparer. Mais une fois que tu arrives sur le plateau, que tu arrives devant un acteur, tout ce que tu... tu dois être dans l'instant présent, tu dois être avec l'autre.
ce que tu as préparé va sortir d'une manière ou d'une autre. Mets-le bien dans le crâne, tu ne fais pas peur. À cause d'un mec comme lui, pourtant s'excuser tous les jours d'être musulman. Et j'ai vraiment peur pour toi. Ce qui est fascinant en fait avec ce métier, c'est qu'il y a un réel décalage entre ce qu'ils sont à l'intérieur et ce que les gens reçoivent. Et c'est souvent pas du tout connecté, quoi. Souvent, l'acteur, quand il sent des émotions à l'intérieur, c'est souvent pas très bon, et vice-versa. Ouais. Souvent, quand tu ne sens rien, c'est toujours ça que ça donne, c'est toujours là que ça donne les scènes les plus formidables. Parce qu'en fait, je pense que tu es en contact avec l'autre, t'es dans le temps présent, donc t'es pas connecté avec tes émotions. Vous ne croyez pas, en fait. Avant, quand j'étais plus jeune comédien, je croyais encore qu'il fallait sentir des choses, etc. Et en fait, tu te rends compte avec l'âge qu'il ne faut rien sentir du tout. C'est le public qui doit sentir. C'est un travail complètement honorable et absolument fantastique. Et j'encourage les gens de revoir Rosetta et de voir Amal ensuite et de mesurer le travail que tu as accompli en 25 ans. Ah ben merci. Je te remercie beaucoup, Fabrice. Merci, merci. Cette semaine, les salles obscures accueillent des films étranges et singuliers qui s'interrogent chacun sur les liens que tissent les humains entre eux. What is this place? Who are you? We're just like you, lost. They come every night. They watch us until the sun rises again. It's a window on the other side. Ils nous observent, ils nous épient, ils nous applaudissent. Vous ne les voyez pas, mais eux voient tout. Mais qui sont-ils finalement? Réponse dans un des thrillers les plus attendus de l'année. Salam ya janabu. Azabella. Raglia tala ma jetan. Ismu Santino Mavir. Ami isma lagil Santino? Malagit wallah. Ma chet message fa ma set sigin. بفكر ولو عايش ليه ما بيسأل مننا والله للأسف ما عندنا معلومات عنه يا خالتي منى لقيت مطراوين جاركم تالي شوفي ماما دقيقة برجع لك انت ليه بتختاري تكذبي دايما يا منى بدل ما تقولي الحقيقة ما دايما الناس بتحب تسمع الحقيقة Le réalisateur Mohamed Kardofani signe un premier film qui dénonce mensonges, racisme et oppression des femmes. Orlando will seem destined to have his portrait on the wall and his name in the history books. When he, that is, I, came into the world, he was looking for something else. Librement adapté du célèbre roman de Virginia Woolf, ce film magnétique et inclassable vient d'être restauré en 4K. L'occasion de revivre le troublant voyage de Tilda Swinton, éblouissante dans le personnage androgyne d'Orlando.